En Moldavie, ancienne république soviétique, des inondations d'une extrême importance ont fait au moins 50 morts dans le centre du pays. Les dégâts sont colossaux selon l'expression du Premier ministre. Pendant deux jours, des pluies torrentielles se sont abattues près de la capitale Chisinau. Le bilan pourrait s'aggraver et le nombre des victimes augmenter. Le niveau de la rivière, la Prout, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures. C'est vrai en plus. Ah ouais, d'accord. C'est génial. Il souffre. Il souffre. À l'approche de l'Open américain, dont il fut l'année dernière finaliste, le tennisman français Cédric Pioline retrouve la forme. Il s'est qualifié pour la finale du tournoi de Long Island dans la banlieue de New York. Pardonnez-moi, il y affrontera le russe Kafelnikov, Jean-Luc Cafier.